Eh bien salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien depuis le temps. On est au défi des 100 jours, saison 10, jour 48. Et ça me fait tellement plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur mon défi des 100 jours parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. C'est vrai que là je termine ma dernière semaine avec mon stagiaire. Là je viens de poser mes affaires dans mon appartement parce que j'ai passé le week-end chez mon père suite à des captations juste extraordinaires. Donc là je pars au bureau, il est 8h. Je pars travailler, j'ai encore aujourd'hui une formation, donc j'ai la deuxième partie de la formation avec les e-commerce que je vous avais déjà montré dans des vidéos précédentes. Donc la semaine dernière on en a fait une, c'était ma première formation en tant que monteur, en tant que réalisateur, et aujourd'hui on continue cette formation. Donc en fait il se passe des choses de fou, de dingue en ce moment. Là j'ai passé un week-end juste extraordinaire, j'étais le vendredi soir avec Patrick Sébastien en dédicace, donc il était à la conférence de Cultura en centre-ville de Brive. Et donc je suis allé filmer une petite partie de la dédicace, donc ça fait plaisir. Le lendemain, j'étais à Rodez avec un réalisateur que j'ai rencontré qui est juste extraordinaire aussi et qui est sur la même longueur d'onde avec moi puisqu'il est dans le développement personnel. Donc on s'est super bien entendu, on a passé 24 heures non-stop ensemble. Et donc du coup, on a fait un tournage à Rodez pour des lignes de bus qui étaient juste extraordinaires et marrants. Et hier, j'étais dans un défilé de mode sur le thème du chocolat dans un très très beau musée, le musée Bovetti. Voilà, tout simplement pour vous donner un petit peu des nouvelles sur le défi des 100 jours. Donc le jour 48, on arrive pratiquement à la moitié du défi des 100 jours. Et comme je vous l'ai déjà expliqué en début de défi, c'est juste une des plus belles saisons de ma vie qui m'arrive parce qu'il se passe des choses vraiment extraordinaires. Et là, ça bouge tellement vite. J'ai tellement de nouvelles passions, de nouvelles choses à mettre en place. Et donc je vous en parlerai dans les prochains jours parce que j'ai un projet un gros projet qui va voir le jour très prochainement. Donc je vous en parlerai bientôt. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je pense à vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!